Big up. En 1998, la France choisit Youssou N'Dour, un Africain, pour composer l'hymne de sa Coupe du Monde. Et pour l'ouverture de cette même Coupe du Monde, Youssou N'Dour chante aux côtés de Axel Red, une Belge. Ça n'a pas fait de polémique en France. En 2010, pour la première Coupe du Monde en terre africaine, Shakira est choisie pour le son et le show d'ouverture. Ça n'a pas choqué les Sud-Africains. Regardez que en 2022, le Cameroun l'est chanté par Pali Poupa pour la Coupe d'Afrique des Nations, un événement continental qui réunit toutes les nations d'Afrique. Ça fait un problème. On a oublié qu'en 2017, pour sa Coupe d'Afrique des Nations, le Gabon a invité Mani Bella du Cameroun. Ça n'a pas choqué Annie Flor Bacchililis, Pierre Kendenge et les autres. Mais d'où vient-il que Fally Ipupa chante au stade Olembe pour l'ouverture de la CAN 2021? Ça fait tant de polémiques. On nous a fait quoi les Camerounais entre nous? Dites-moi. Quel est le vrai problème? Nous qui avons l'habitude de vanter notre Cameroun Afrique en miniature. Donc ce n'est que des mots alors. Où est donc le côté Afrique en miniature? Où est le côté Afrique? Avons-nous oublié que c'est un événement CAF dont le Cameroun est juste le pays qui l'héberge? Mais entre nous, soyons sérieux. Quand nos artistes brillent ailleurs, pourquoi ça ne dérange personne? Pour la Coupe d'Afrique des Nations Gabon-Guinée, c'est un Camerounais qui compose l'hymne. Il s'appelle Edgar Yonke. Il est vivant. Et ça n'a pas fait de polémique dans ces deux pays. Mais chez nous, parce que Fally Ipupa a fait un spectacle, c'est un problème. Je veux rappeler à tous ceux qui sont choqués par cet aspect des choses, de se rappeler que dans le championnat au Congo démocratique, tous les grands clubs ont des Camerounais comme gardiens de but. TP Mazembe, le Vita Club. Renseignez-vous, les meilleurs gardiens de but du championnat congolais sont Camerounais. Quel message nous envoyons à nos frères congolais? Soyons sérieux quelque part. Cameroun, Afrique en miniature, respectons ce label. Respectons ce label et restons africains. Restons dans ce concert des nations. Restons là, restons africains et fiers de l'être. Ne nous mettons plus tristement en spectacle pour rien. Et travaillons à être aussi meilleurs. Fally Ipupa, il peut remplir un stade dans n'importe quel pays présent à cette CAF, à cette CAN, autant pour moi. Au Sénégal, il peut remplir les stades. En Côte d'Ivoire, il peut remplir les stades. Au Congo, chez lui. Ici, au Cameroun, il peut. Alors, donnons à César ce qui est à César. Égal. Fally est déjà roi chez lui. Vos artistes sont rois chez vous à quel moment? Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Fally a le droit de chanter au Cameroun. C'est normal. C'est un Africain. Et c'est un événement africain. Il a le droit. C'est un chanteur. Mais vous auriez dû d'abord honorer les vôtres. La place que Fally a occupée, c'est la place de Ben Deka. La place que Fally a occupée, c'est la place de Daphné. La place que Fally a occupée, c'est la place de Charlotte Dipanda. Fally ne chante pas plus que Charlotte Dipanda. Et ce n'est même pas un concours. Oui, elle chante très bien, mais moi personnellement, je trouve qu'elle chante très très bien. Je trouve que Lady Ponce chante super bien. Elle fait bouger les choses. On aurait pu associer Fally avec un artiste pour l'ouverture, pour prouver aux gens que c'est un événement africain. Ce n'est pas une question de vouloir chasser les autres de chez nous. C'est une question de respect. Quand vous allez vouloir la voix de vos artistes, vous allez oublier le nombre de fois où vous leur manquez de respect. Vous n'avez aucun respect pour vos artistes. C'est une honte. Vous passez le temps à les dénigrer. Les Congolais, je suis suivi par la communauté congolaise. Je vous aime énormément. Et je suis sincère quand je le dis, je n'ai pas de parti pris. Mais vous, mes frères congolais, vous savez que ce qui est en train de se passer là, vous n'aurez jamais accepté ça sur vos sols. Vous êtes des personnes, vous êtes trop patriotes pour vous permettre de rabaisser les vôtres comme ça. Le Congolais n'aurait jamais fait ça, parce que le Congolais a l'amour de sa patrie. Le Congolais a l'amour de son frère.
Le Congolais aurait d'abord donné la place à son frère avant d'attribuer la place à l'étranger. Mes frères Congolais, dites que je mens. Je ne mens pas. Les Gabonais ont pareil. La Côte d'Ivoire, pareil. Allez faire ça là-bas en Côte d'Ivoire. Vous allez voir si le général Kami Makosso va vous laisser faire ça. Vous allez voir si Lolo Gote va vous laisser faire ça. Vous allez voir si Apoutchou National, les grandes têtes de la Côte d'Ivoire, vont vous laisser faire ça. Chez nous, on sert à quoi? Nous sommes en train de prendre les grosses têtes là. C'est pour défendre aussi les nôtres. Il faut que nos pages servent à défendre d'abord les nôtres et ensuite les autres. Nos artistes nous ont élevés au sommet de la montagne. Nos artistes, grâce à leur art, ils ont fait découvrir le Cameroun. On leur doit de l'amour, du respect. Ne faites plus ce que vous avez fait. Fally Ipupa, je n'ai rien contre toi, mais j'insiste. Vous allez dire demain que la fille, si elle aime trop les problèmes. Je n'aime pas les injustices. Ce n'est pas vous qu'on a critiqué ici sur la toile. Ce sont mes frères camerounais artistes. Ce n'est pas vous qu'on a privé de faire les concerts parce que vous n'avez pas intervenu sur les problèmes du pays. Lorsqu'ils étaient prêts à détruire le concert de M. Bendeka, mais comme Dieu est grand, il avait réussi à faire son concert. Ce n'était pas Fally qui était privé de faire le concert. Lorsqu'ils se sont attaqués à Nathalie Ko, à Muriel Blanche récemment, ce sont nos artistes. Ce sont des gens qui travaillent pour le pays. Ce n'est pas Fally qu'on a interdit. Vous n'avez pas honte. Vous savez seulement faire des conneries. Le pays d'abord. Fally peut chanter au Cameroun quand il veut. Fally peut venir faire les concerts comme plus d'une fois il l'a déjà fait. Il est le bienvenu au Cameroun. Mais on ne peut pas manquer de respect à nos artistes pour Fally et pour pas jamais. Jamais. Fally Ipupa, je connais tes musiques, je connais tes chansons. Tu chantes super bien. On ne peut pas te l'enlever. Ça, c'est clair et net. Mais mes musiciens là, mes frères camerounais chantent aussi super bien. Et nous sommes un peu énervés par rapport à ça. Je suis tout à fait d'accord. On ne divise pas l'Afrique. Mais on est un peu énervés par rapport à ça. Moi, je suis un peu énervée. Laissez-moi les hypocrites. Regarde-moi, c'est-à-dire que, regarde l'autre, voilà une personne, Rose Léonie, elle dit, laisse ça, tu ne dis rien, au Gabon combien de Camerounais ont chanté, c'est-à-dire que, ma chérie, je parle en mandarin ou je parle en français, toi-même, hé mon Dieu, tu as été forte en dissertation, tu as su que tu étais forte en dissertation. Est-ce qu'on te dit, c'est ce problème d'incompréhension. En fait, ce n'est pas le communiquer le problème. Hein. Le plus gros défaut, c'est quand tu parles, les gens ne t'écoutent pas. Hein. Qui te dit qu'on ne donne pas l'autorisation à Fally de chanter? Qui te dit qu'on ne donne pas l'autorisation à Créole du Gabon de venir chanter? À Chanel du Gabon de venir chanter? Tu sais combien d'artistes étrangers sont venus chanter chez nous et on les a accueillis comme des rois? Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de dire qu'on n'interdit pas à Fally de chanter. Tu n'as pas compris ça ou tu fais exprès? C'est comme ça que vous faites. Vous déformez les propos. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. D'accord? Je dis qu'on devait d'abord mettre en avant nos artistes. Si l'ouverture de la canne là, on pouvait attribuer Fally à quelqu'un parce que Fally est un grand chanteur. C'est un fait. On ne peut pas discuter ça. On n'enlève pas à quelqu'un sa qualité, ça se voit. Même si on essaye de cacher, ça va se voir. Mais on pouvait le mettre avec un grand... On a beaucoup de grands chanteurs au Cameroun. On en a beaucoup. Et on a des chanteurs qui se sont investis pour sortir des titres exprès pour l'occasion. Ils sont nombreux. Ils auraient dû faire l'ouverture avec Fally Ipupa. C'est aussi simple que ça. Si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas grave. J'insiste là-dessus. Mais c'est comme ça, ça s'est fait. Mais il ne faut plus tolérer ça. Vous ne pouvez pas aller faire ça en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas aller faire ça au Gabon. C'est-à-dire, j'admire les Gabonais. Le Gabonais d'abord. Le Congo, c'est pareil. Le Congolais d'abord. Tu tentes ça avec le Congolais Nakobe Tayo. Il va te faire ça dur. Je pense que le Congolais a le temps que vous allez venir.
avons mis son frein. Regardez les événements des Congolais. J'adore les Congolais, j'aime les Congolais, j'aime toute l'Afrique. Mais même l'événement du Congolais, la plupart des musiques que tu vas entendre, ce sont les musiques de son pays. Ndombola, 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 tu vas difficilement entendre la musique d'ailleurs, rien que dans un événement. Ça te fait comprendre qu'il est d'abord en train de vendre le produit de chez lui. Parce que le jour où il y a un problème au Congo, il sait que c'est d'abord les artistes de son pays qui vont défendre le problème. Mais nous là, le jour où il y a un problème au Cameroun, on veut que qui vienne nous défendre, puisqu'on méprise les nôtres. Regarde-moi les démons en liberté qui sont en train de libérer les Congolais, ne vous fâchez pas, pardon, il faut quitter. Comme vous défendez les vôtres, c'est aussi comme ça qu'on défend les nôtres, c'est normal. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Apprenons-nous les Camerounais là à élever nos artistes. Ils font beaucoup pour nous. Certains se sont sacrifiés. Aujourd'hui ne peuvent plus prester au Cameroun parce qu'ils ont défendu des causes importantes. Et bien demain quand les artistes là voient, ils vont voir comment vous êtes en train de les traiter. Quand ils vont vous laisser avec vos problèmes, vous allez comprendre. Lorsqu'on demande l'eau là au Cameroun, la dernière fois, on voyait M. Nkoulou qui a offert la possibilité à des jeunes Camerounais d'aller puiser de l'eau. Quand un artiste camerounais va voir cette scène et qui va vouloir peut-être poser un forage là pour faciliter la tâche aux Camerounais de puiser de l'eau, vous pensez qu'avec ce que vous êtes en train de faire, ça va le motiver? Vous allez toujours dire aux artistes camerounais que vous ne faites rien pour le Cameroun. Regardez comment vous traitez vos artistes. Même ici sur les réseaux sociaux, comment vous les humiliez, comment vous les insultez, comment vous étalez leur vie entre la vérité et le mensonge, on ne sait plus où se mettre. On a beaucoup d'artistes au Cameroun. On a un artiste là qui est passé sur la chaîne. S'il vous plaît, donnez-moi le nom du jeune artiste là, je veux parler de lui. Le jeune artiste là qui aussi, il a l'habitude de sensibiliser, il est passé sur la chaîne de Tata Lolo de la page à cœur ouvert. Ouais, donnez-moi le nom de cet artiste là. C'est un jeune qui débute dans la musique. Vous n'aimez pas mettre les gens en avant. Vous attendez toujours que les gens aient réussi. Vous venez dire que oui, c'est mon frère camerounais. Vous attendez toujours que les gens aient un nom. Vous venez dire que oui, je t'avais soutenu. Mais quand ils débutent comme ça, vous ne les voyez pas. Donnez-moi le nom de l'artiste camerounais. Là, je veux voir si les Camerounais même suivent l'actualité. Gouvernement de Josiane, je pense que ça a été très bien réfléchi pour le gouvernement de choisir Fally pour pas avec notre tribalisme à outrance. Bon, peut-être que tu as aussi raison, hein. Peut-être que tu as aussi raison, mais très honnêtement, hein, je pense que on aurait dû oublier pour une fois les histoires de tribalisme, parce que là aujourd'hui, beaucoup de Camerounais ont oublié qu'il y avait des problèmes, ils sont allés à la canne. Tu n'as pas les droits de crier sur Fally Poupa. Tu n'as même pas un droit de venir crier sur Fally Poupa. Tu ne pouvais même pas oser de toucher le nom de Fally Poupa. Tu n'avais même pas le droit même de toucher le nom de Fally Poupa. Qu'est-ce que Fally a fait? Parce que ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer la description entre les Congolais de Kinshasa et les Camerounais. Et la discrimination. Tu crées la discrimination, viens, assis-toi, prends la chaise. On va parler, moi et toi, aujourd'hui. Je vais bien t'expliquer, calmement, et tu vas m'écouter. Hein? Aujourd'hui, quand même, vous avez eu de la chance. Il y a maintenant les cannes qui se passent dans votre pays, au Cameroun. Vous allez avoir de l'argent. Vous savez pas que dans mon pays, il y a aussi un grand stade. L'État du Camagnola, qui est là en chômage, qui devait aussi avoir les cannes. On devait aussi gagner l'argent comme vous. Parce que notre État du Camagnola, il est en chômage. Hein? Mais vous, au moins, vous avez eu de la chance. Votre stade, vous êtes en canne. C'est qu'aussi Fally Poupa, c'est vous qui avez invité Fally Poupa dans votre pays. Vous avez invité Fally Poupa. Fally est venu. Qu'est-ce que Fally a fait? Qu'est-ce que Fally a fait? Hein? Maintenant, toi, tu commences.
ça? Hein? On va te laisser? Toi, tu commences à toucher les Congolais? Tu joues avec des Congolais? Qu'est-ce que Fally a fait? Fally a fait quoi? C'est pas vous qui a invité Fally? Va demander dans ton pays là pourquoi ils ont invité Fally. Chez vous, il y a plein de musiciens. Pourquoi ils ont invité Fally? Si ils ont invité Fally, c'est pas le problème de Fally. C'est pas le problème de Fally. Toi, la dame là, si c'est daronne, je ne sais même pas si tu es une femme ou un homme. Je ne sais même pas ton identité, c'est quoi? Attends, je vais vous mettre les vidéos. Vous allez voir la haine. Cette dame là, elle a la haine contre Fally Poupa. Cette dame là, elle s'appelle si c'est daronne. Daronne, regarde-moi bien, daronne. Daronne, prends-moi bien vidéo. Prends-moi bien. Je suis la marraine à Tatou, la congolaise de Kinshasa. Regarde-moi bien. Ça soit la dernière fois que tu touches encore à Fally Poupa. Fally, c'est mon frère. Qu'est-ce que Fally a fait? Il y a notre star qui est mort chez vous dans votre pays. Est-ce que toi, tu as vu que nous, on a parlé? On est resté calme, on n'a pas parlé. Mais il est mort en Cameroun. Hein? Je te dis, prends-moi bien. La daronne, la regarde-moi bien, tu me prends bien. Parce que toi, tu ne me regardes pas bien. Regarde-moi très bien. Il y a un autre artiste qui est mort chez vous. Nous, on n'a pas parlé. Hein. On est resté calme, nous, les Congolais. On est resté en pleurer dans notre famille. On est resté comme ça pleurer. Et toi, tu as vu que Fally est venu chez vous pour faire l'inauguration de la CAN. Et alors, où est le problème? Où est le problème? Tu commences à parler. On n'a pas pris nos musiciens. Oh! Mais si on n'a pas pris vos musiciens, où est nos problèmes? Nous, les Congolais de Kinshasa, on est des stars. Toi, tu ne savais pas? Congo Kinshasa, c'est des stars. Il y a de belles femmes, il y a des beaux sons, il y a des stars. Chez nous, il n'y a que les bobos. Hein? Chez nous, il y a que les pia-pia. Tout c'est beau. Il y a des beaux sons chez nous. Il y a de belles femmes chez nous. Il y a des bons musiciens. Il y a des belles musiciens. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas nous laisser tranquille? Tu commences à parler. Tu crois que nous, on ne parle pas? Nous aussi, on parle, on crie. Hein? On parle, on crie. Tu touches à Fally, tu as touché Congo RDC. Tu as touché Congo Kinshasa. Tu croyais que nous, les sœurs de Fally, on va te laisser tranquille. Toi, tu vas parler comme ça, tu parles. Tu vois même pas qu'il y a Makoso qui est fan de Fally. Makoso, il est fan de Fally. Et toi, tu voulais chercher l'amour avec Fally? Fally Poupa, il a sa femme. C'est Nana Ketchup, si tu ne savais pas. Tu commences à parler de Fally, tu parles de Fally, tu parles. Toi, tu vas critiquer les Congolais de Kinshasa? Qu'est-ce que Fally a fait? Fally a fait seulement son travail. Vous l'avez payé son argent. Fally, il est parti. Et alors, où est le problème? Il est parti à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu voulais parler, tu voulais crier. Tu vois que nous, on va te laisser. Nous, on te laisse. Toi, tu joues avec les Congolais. Toi, la dame là, viens. Toi, tu joues avec les Congolais. Et puis, il n'y aura même pas un Congolais qui va aller là-bas, dans votre canne là. Il n'y aura même pas un Congolais. Il n'y aura même pas un Congolais qui va aller là-bas. Il n'y aura même pas un Congolais. Et puis, tu verras, ça ne sera même pas beau. Tu es jaloux de nous? Nous tous, on est des Africains. Où est le problème? Toi, tu cherches la description entre le Cameroun et le Congo. C'est ça que toi, tu es en train de chercher. Tu veux maintenant le problème? Tu te prends pour qui? Je te dis, prends-moi bien. Tu me prends bien. Regarde.
Tu as honte de me regarder? Tu as honte de me prendre bien? Moi, je suis congolaise de Kinshasa, Congo, RDC. Que ça soit dans le froid, que ça soit dans le chaud, je suis Congo, RDC. Laisse Fally tranquille. Laisse Fally Poupa tranquille. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Hein? Il y avait plein de musiciens. Pourquoi vous avez choisi que Fally? Parce qu'il danse bien les loquettes. Il bouge bien. Quand Fally bouge, tout le monde y pleure. Fally, il a fait plein craquer. Dans les cannes là, c'était plein dans les cannes là. Tu as vu comment tout le monde chantait? Et j'ai chanté, et j'ai crié, et j'ai baisé. Tout le monde chantait ça. Tout le monde. Les mamans pleuraient. C'est quoi? Fally, c'est qui? J'ai dit, Fally, c'est qui? Vous pensez qu'il y a la Coupe d'Afrique au Congo? On va prendre un artiste camerounais pour aller jouer devant les artistes congolais? Ils sont plus internationaux que les qui? Respectez-nous! Respectez-nous une fois! À la fin, vous commencez à faire chier tout le monde! Vous croyez que parce que les artistes camerounais ne parlent pas, vous croyez qu'ils sont contents? Quand vous aurez vos meetings politiques, vous serez les premiers à les appeler. Les artistes camerounais, vous avez vu aujourd'hui où est votre niveau? Vous êtes là pour balayer la place pour les autres. Tous vos efforts, les clips, tout ce que vous faites, ils savent que vous êtes des zéros. Ils ne vous considèrent pas. Ils ne vous considèrent pas. Une canne, le monde entier regarde. Des années entières. Même pas mettre un artiste, on me dit que non, la parole ne te fâche pas. Il y avait la dernière fois, c'était Beyoncé qui a joué en Afrique du Sud. Mais allez regarder, Beyoncé était en couple avec un groupe sud-africain. Elle a tourné même en Afrique du Sud. Elle était en couple avec un couple sud-africain. Beyoncé n'a jamais vu, Shakiro. Shakiro. Et je suis tellement énervé que j'ai dit n'importe quoi. Shakira, qui a dit où c'est Shakiro? Enfin, Shakira. Excusez-moi. Excusez-moi, je suis tellement en colère. J'ai tellement envie de déchirer ce maillot. Tellement je suis revolté. Je suis revolté. J'en ai marre qu'on nous humilie. J'en ai marre. Une bande jusqu'à. Regardez-moi le présentateur. C'est qui là? C'est qui ce monsieur-là? Et il dit que oui, à la présentation, il donne les noms du Cameroun. Et il dit que l'ouverture sera faite par Fally Poupa. Jusqu'à le coup, le faux rit. Le feignant rit. Le feignant rit. Que oui, il sera fait. Mais attends, il n'y a pas d'artiste au Cameroun. Une coupe d'Afrique avec l'argent du continent camerounais. Avec l'argent de ces mêmes artistes qui cotisent. Fally Poupa cotise au Cameroun. Vous voulez nous manquer de respect pour quoi? Vous nous humiliez en mode vision pour quoi? Hein? C'est un pays ça! Une bande de couillacouilles! Je suis tellement en colère! C'est quoi ça? Vous pensez que est-ce qu'on peut organiser la CAN au Congo? On prend un artiste camerounais, aller jouer devant tous les artistes congolais, et ils sont de là vivants! Ils sont de là vivants. Pourquoi vous ne voulez pas donner un peu de respect aux artistes camerounais? Pourquoi vous voulez les humilier jusqu'à la dernière goutte? Pourquoi vous croyez que parce qu'ils n'ont pas le courage de parler, vous voulez les rendre fous? C'est un pays où vous ne respectez rien. On ne respecte personne. On veut les humilier. C'est quelle façon ça? J'ai honte. Pourquoi nous nous battons des années pour la culture camerounaise? Pourquoi nous luttons? Pourquoi nous luttons pour que les artistes camerounais aient aussi la chance d'être comme les Fally? Fally a déjà la lumière, il n'a pas besoin de vous. Fally a tout, il n'a pas besoin de vous. Fally a tout, il n'a plus besoin de vous. C'était l'occasion de mettre en avant certains artistes camerounais pour qu'on le voit aussi une fois. Voilà Sarakiel que Beyoncé a pris sans connaître. Sarakiel au Cameroun avec vous. Est-ce que Beyoncé a regardé si Sarakiel sur les stars? Est-ce que Beyoncé a regardé que Sarah Tiel fait le tour des stades? Sarah Tiel a été pris par Beyoncé.
divorcer. Ça marche seulement comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Un moment, il faut que vous arrêtez d'humilier les artistes camerounais. Et je vais donner un message aujourd'hui à tous les artistes camerounais. Vous avez vu aujourd'hui votre niveau. Vous avez vu qu'aujourd'hui, on va continuer à vous laisser jouer dans les bars. Vous avez vu qu'aujourd'hui, à chaque fois, vous serez les derniers. Vous avez vu, dans aucun pays en Afrique, je dis aucun pays, il n'y a qu'au Cameroun que ça, ça se peut se passer. Hein. Dans aucun pays en Afrique, on ne peut venir devant toute la culture que le Cameroun a. On a mis un artiste étranger qui joue seul et qui repart devant vous tous. Quelle honte! Quelle honte! Fali africain, et alors? Fali africain, et alors? C'est d'abord sur les terres du Cameroun. Nous devons d'abord aider les Camerounais. C'est d'abord sur les terres du Cameroun. Fali africain, ça fait quoi? Fali africain, ça fait quoi? Est-ce que, je te demande la question, est-ce qu'on peut aller prendre un artiste jouer au Congo? Seul, en Coupe d'Afrique comme ça, est-ce qu'on associe Fali à un artiste camerounais? Ils sont où? Est-ce qu'on associe Fali à un artiste camerounais? Vous voulez que... Excusez-moi, les gens m'ont amené du Congo, ce n'est pas la Coupe du Cameroun, c'est la Coupe d'Afrique. Ok, d'accord, c'est la Coupe d'Afrique, mon frère, mais c'est le Cameroun qui est à l'honneur. Hein? C'est le Cameroun qui a l'honneur. Je comprends que oui, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, patachi patata, mais c'est le Cameroun qui a l'honneur. Donc quand le Cameroun a l'honneur, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour moi, je parle pour moi et parle pas pour vous. Parce que je vois les gens là venir se poser là que oui, pourquoi tu t'excites, pourquoi machin, nanana. Pour moi, j'aurais aimé, hein, il est minuit mon frère, les enfants dorment, moi je prépare mes expéditions, je dois livrer les clientes demain. Donc, j'étais en train de dire ceci. Pour moi, il aurait été bien qu'on mette aussi un artiste camerounais. Un artiste camerounais. Quand ils vous disent ça tous les jours, c'est quoi avec les têtes de mort, vrai, pas d'envoyer les cœurs. Nous sommes sur Facebook, on n'est pas obligé d'être d'accord. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Moi, c'est mon avis. D'autres m'ont dit que c'est la Coupe d'Afrique des Nations, blablabla. Mais c'est le Cameroun qui a l'honneur. Donc on doit mettre le Cameroun à l'honneur. Le jour que c'est au Congo, on met le Congo à l'honneur. Le jour que c'est en Centrafrique, on met la Centrafrique à l'honneur. Mais pour l'instant, que vous le voulez ou pas, c'est le Cameroun qui doit être à l'honneur. Laissez-moi vos histoires là. Mais moi, je parle aux fans aujourd'hui là. Que c'est là que vous-même, vous devez vous lever. Pour dire non. Qu'il fallait qu'on mette aussi... qu'on mette aussi les artistes camerounais en avant. Quand je vais dire ça, tu que les artistes camerounais n'ont rien. Hein? Quand il y a les artistes camerounais qui peuvent pas se payer une perruque de Dieu, une si jolie perruque, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas. Sinon, elles sont obligées de collecter, je ne sais pas, beaucoup de mangalas dans les bureaux pour pouvoir s'offrir ce que je suis en train de dire là. Mais quand tu vas venir dire que les artistes camerounais souffrent, on va te tirer dessus. Hein? Une compétition d'une telle envergure, on devait normalement mettre un artiste camerounais pour lui donner aussi un peu de gombo, que papa mange aussi. Vraiment, sérieusement, Fali Poupa, oui, Fali Poupa, c'est une grande star, incontestable. On ne peut même pas discuter, mes gars, mon frère, tous les jours, Fali Poupa. On n'est pas fatigué. Côte d'Ivoire, Fali Poupa. Cameroun, Fali Poupa. Fali Poupa, Fali Poupa. Personnellement, moi, je trouve que je suis fatiguée un peu. Hein. Pourquoi, lui, j'ai eu que Stan Leno était au terrain. Mais pourquoi Stan Leno n'a pas presté? Pourquoi ne pas donner aussi un petit cachet à Stan Leno qui vient prester? Pourquoi ne pas donner un petit à Ouattaro, celui qui chante La fille, là, il faut la gnoxéo. Il faut la binéo. Parce que la fille, là, il faut la gnoxéo. Pourquoi ne pas? Parce que. La chanson du gars est devenue une chanson vraiment emblématique, hein? C'est une chanson vraiment très populaire, mais pourquoi on n'a pas donné l'argent au gars là aussi de venir aller prester pour encourager, ne serait-ce qu'encourager les artistes? Pourquoi on ne l'a pas fait? Mais quand on avait parlé, tu vas voir les soirs avec les becs comme la nuit support, et pour venir dire cela que oh non, toi tu parles trop, tu machines. Moi, parle-moi, je suis pour
moi-même, des dames même souvent. Souvent, je dis même que j'ouvre même ma bouche pour parler. Pourquoi même? Ils sont là-bas au Cameroun. Moi, je suis ici en France. Si je n'ai pas de quoi manger, m'en va à la Croix-Rouge. Il y a le Resto du Cœur, le Secours Populaire. Il y a tellement d'associations ici en France. On peut mourir de faim. Mais moi, ce que moi, je dis, c'est que je suis quand même fière, je suis quand même contente du stade, un très beau stade. Mais maman, si on doit faire comme ça, là, chaque 20 ans, ça sort, c'est bon comme ça sort. De toute façon, on est déjà habitué. Hein? De toute façon, on est déjà habitué. Nous sommes en deuil. Oui, Mbouta est mort. J'ai vu que le comédien camerounais Mbouta est mort. Ah, t'es sort quoi. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela ki tro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azui esika ya ye moko ako fandisa ideologie, esika oyo ba Congolais tout ba kobanda ko yakokutana na ndenge ya defoite. Chez Djonga de, awa boko kuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe lengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poisso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djonga de, bafongola ka kobanda mokolo ya mardi. Ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka kase moko. Chez Djonga de, weekend, boza deja ya kosepela, po awa, ambiance elala ka awa nandenge ya defoite. Chaque vendredi, bobanda ko zwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino nandenge ya sakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, eko banda ko zalande CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Ba ko banda ko sepelisa bino na makinu ya defoite na ba kunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde boko zwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko ndeko palola awa, boko sentir betu e ba ou différence yena. Tala, mona, namiwa, ya nani? Chez Djonga de. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? On te reçoit la 50 boîtes. La Katakine, Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe ba ko servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Oh, yo! 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 Oh, yo!
Avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus.